Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je commence ma vidéo très tard, on va être sur un petit vlog très chill parce que voilà c'est le déconfinement, j'ai pas grand chose à faire. Mais vous avez été nombreux à me demander de vous faire un vlog, donc voilà je vais vous prendre avec moi pendant 24 heures. Et on va kiffer quoi, voilà je vous montre mon petit look du soir du coup parce qu'il est 21 h. J'ai juste mes Air Force, mon petit short H&M et mon t-shirt plein beer que vous connaissez. Et voilà. God, je suis encore fatiguée alors que je me suis levée à midi clairement. Du coup j'ai rien foutu de la matinée. Je sais pas, j'étais trop fatiguée genre la journée d'hier, j'ai rien fait. Hein. On a juste chillé au soleil tout toute la journée et j'étais crevée. Alors, ça m'a tuée. Donc voilà, ce matin, pas très productive. J'ai dormi jusqu'à midi. J'étais chez Mathéo, du coup je vous ai pas trop filmé. Et voilà quoi, il est 14 h là je crois. J'en ai rentré chez moi du coup. Je sais pas ce que je vais faire, il fait trop moche. Je voulais trop genre aller courir et tout. Mais vu le temps, ça me démotive de ouf. Il pleut. Alors qu'hier, il faisait 30 degrés. Est-ce qu'on peut m'expliquer le concept? Putain, j'en peux plus de cette région. Franchement, il y a que dans le nord que ça peut arriver. Je vous montre un truc de ouf. Je vous ai déjà montré sur Insta. Mais clairement, j'ai été choquée ce matin quand je me suis préparée. Donc déjà, ce t-shirt plein de bière, je sais pas si vous vous souvenez, il vient d'un haul. Genre, il me sert même plus. Il est même plus moulant. Hyper grand. Ce short, j'en parle même pas. Genre, attendez, la mise au point, elle se fait. Regardez-moi comme il est grand. C'est choquant de ouf, non? Faut grave que je me rachète des shorts et des jupes, quoi. Mais clothing, merci, quoi. C'est un truc de malade. Je suis choquée. J'ai mis ce short l'année dernière, hein, l'été dernier. C'est un truc de fou. Oh, alors là, je vais faire un truc incroyable. Regardez ce que je ne peux pas m'acheter. En ce moment, voilà, c'est grave un passe-temps de passer ma vie sur des sites de luxe à contempler les choses que je ne peux pas m'acheter. Donc voilà. On va faire ça avec en petit fond une série ou un film sympatoche. J'arrive pas à trouver un truc bien à regarder, ça m'énerve. Bon, je vais commencer à regarder ça. Apparemment, c'est vachement bien. Donc on va tenter. Donc c'est Dead to Me, vous pouvez le voir sur l'écran. Je sais pas si ça va être bien. Écoutez, on se retrouve après l'épisode pour voir. Même peut-être dans 10 minutes, tellement ça m'aura saoulé. Mais on va tenter. Ok, petit update. La série est déclassée. J'adore. Enfin, pour l'instant, j'adore. Jusqu'à 10 minutes. Mais franchement, trop bien. Bon, les gars, vous me demandez souvent ce que je prends au goûter. Du coup, là, aujourd'hui, c'est salade de fruits. Il y a mangue, myrtille, nectarine, voilà, que des bons fruits. Et là, fruit de la passion, jus de fruit de la passion. Je sais même pas m'exprimer, genre j'ai monté mes deux escaliers, encore une fois, je suis épuisée. Bon bref, j'ai rien foutu de l'après-midi, je regarde ma série, vraiment je suis déjà à l'épisode 5. C'est une pépite, vraiment, pépite. C'est trop chiant parce que genre là, je suis dans un mood où j'ai la flemme de tout. Je suis fatiguée de tout faire alors que je fais rien, genre vraiment. C'est trop chiant, genre cette sensation. En plus, j'ai... Enfin, genre, je suis à jour dans mon boulot. Du coup, j'ai pas forcément de trucs à faire. Du coup, je sais pas, je me sens... Bref, faut vraiment que je me bouge. Je crois que ça va être le pire vlog de ma chaîne. Vraiment, un mess.
Mais après, je vais essayer d'aller faire du sport. Je vais même pas essayer, c'est sûr, je vais en faire. Faut que je me lave les cheveux parce que là, ils sont méga gras depuis le début de ce vlog. C'est n'importe quoi. Mais voilà quoi, c'est chiant cette sensation genre d'être fatiguée, d'avoir la flemme de tout, de juste vouloir être dans son lit et alors que t'as rien foutu, tu vois. Genre, ça m'énerve, je déteste procrastiner comme ça. Je suis la meuf qui peut pas rester dans son lit et aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. J'ai la flemme de tout. J'espère que c'était juste durant cette journée et que ce soir en soirée ça ira mieux. Mais ouais quoi, on va essayer de se bouger. Je vais prendre mon goûter devant la série tranquille et promis, je me bouge le cul après. Est-ce que c'est normal de faire la vaisselle comme ça? Non, vraiment. Bon, après avoir bouffé comme un porc, parce que ouais, je fais la meuf Estlie à bouffer une salade de fruits, mais en fait, j'ai mangé un gâteau par la suite, donc voilà. Je craque, je suis humaine quand je vous disais que je suis pas un exemple niveau repas. Je suis vraiment pas un exemple. Donc voilà, là je vais aller faire ma séance. J'ai pris une vidéo de 16 minutes et une vidéo de 11 minutes, il me semble. Donc voilà, ça va me faire une bonne petite séance. Et demain, j'aimerais bien aller courir. Même si j'aime pas courir, je trouve que ça me fait quand même du bien. Vu que je fais une séance de muscu un jour sur deux, je me suis dit que les jours où du coup j'ai pas de muscu, bah, j'irai courir. Donc je vais essayer de respecter ça. C'est parti quoi, on va se motiver. Comme ça après, je vais aller me laver, je vais aller me laver les cheveux, je vais être toute propre. J'aurais fait mon sport, je serais bien. Allez, c'est parti, là, motive-toi. Je vous montre les vidéos que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Donc ça, c'est une nouvelle vidéo qu'elle a sortie il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour les abdos. Je vous laisse le nom juste ici. Et après, je vais faire celle-ci. Donc plus pour la taille et pour le ass. Donc voilà, je vais faire les deux là. C'est parti les gars, on se retrouve juste après. One eternity later. Bah dis donc, comment les meufs, elles font pour être fraîches à la fin de leur séance de sport? Vraiment, genre je comprends pas. Chloé Ting là, elle finit sa séance, elle est toute fraîche, elle est toute normale, il s'est rien passé. Et moi, en attendant, j'ai cette tête. J'étais morte, vraiment. Par contre, la vidéo des abdos, c'est vraiment devenu, je crois, ma vidéo préférée pour travailler les abdos. Elle est oufissime, vraiment. Elle est hyper dure, enfin, elle fait super bien travailler, hyper efficace, elle est trop trop bien. J'ai trop hâte de la refaire, je pense que je vais la refaire à mon prochain entraînement. Mais ouais, trop trop bien, trop bonne découverte. Enfin de retour dans ma chambre, j'ai regardé Koh-Lanta, j'ai mangé avec mes parents, j'ai joué aux cartes, c'était très chill, très vendredi soir quoi. Et puis voilà quoi, de retour dans ma chambre, il est 22h30, à mon avis Mato n'est pas prêt d'avoir terminé de travailler, donc j'aurai au moins le temps de me mater 2-3 épisodes de ma série, donc Dead to Me. Attendez, pour vous dire, je crois que je suis à l'épisode 6, ouais épisode 6, j'ai maté 5 épisodes en une après-midi, vraiment c'est déclassé, j'adore. Et voilà quoi, comme je vous l'avais dit, ce vlog ne va pas être très 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 intéressant, j'ai pas grand chose de prévu, en fait. Comme je vous le disais, genre à part aller chez Mathéo et à part rester chez moi, je fais rien. J'ose pas trop sortir, j'ose pas... Ouais. Voilà, je suis pas encore très rassurée. Je fais rien, donc... Déjà que j'ai pas une vie très intéressante. Mais alors là, sur 24 heures, je vous dis pas le bail, quoi, le vlog. Un mess. Vous voulez des vlogs, je vous avais prévenu que j'avais pas une vie passionnante, surtout pendant cette période. Donc voilà, mais au moins vous avez pu voir un peu à quoi ressemblaient mes journées de déconfinement. Comme quoi, ça change pas trop des vlogs confinement, hein. Mais ouais. Et on me demande souvent dans mes vlogs d'où viennent mes pyjamas. En fait, c'est des combis comme ça qui viennent de chez Shein. Pour celles que ça intéresse, c'est hyper confortable. C'est en matière un peu satin comme ça. Et je dors tout le temps avec ça. C'est hyper confortable. Très très cute. J'adore. Je regrette déjà de ne pas avoir dompté mes cheveux quand je les ai séchés. C'est une catastrophe. Je sens que demain matin, je vais le regretter encore plus. Mais en fait, pour vous expliquer, je me faisais les tresses parce qu'en fait, mes cheveux sont ondulés. Mais j'ai quand même, genre derrière, bien caché,
des petites ondulations, voire boucles hyper sympas. Et bref, du coup, j'ai pas ça partout. Vous voyez, devant, c'est beaucoup plus atténué. Donc, je me faisais les tresses pour mieux définir ces ondulations, ces boucles. J'aurais dû faire ça aujourd'hui. Je sais pas, qu'est-ce qui m'a pris là de les avoir laissées sécher naturellement. J'aurais dû me faire des tresses pour être fraîche demain matin. Mais bon, tant pis. Écoutez, c'est la vie. J'ai tellement rien à raconter dans ce vlog que je vous parle de l'état de mes cheveux. C'est grave, vraiment, je pars en couille. Écoutez, je vais mettre ma série et je vais me taire. Je vous laisse. Je vous reprends après. Ok les gars, nouvelle série, regardez Into the Night. On vient juste de commencer. C'est trop trop déclassé. Bon les gars, on est le lendemain matin, j'ai complètement oublié de finir le vlog. Mato est arrivé, il est rentré du travail, on a commencé une nouvelle série, Into the Night, et c'était trop bien. Enfin bref, on a fait notre soirée tout chill. Et voilà quoi, la soirée a continué, j'ai complètement zappé de vous dire au revoir. Donc je conclue cette vidéo aujourd'hui, merci d'avoir regardé et d'avoir suivi cette vie et cette journée passionnante, clairement. Mais bon, au moins vous avez des nouvelles séries à regarder, peut-être grâce à moi. Tout à l'heure j'ai commencé à regarder Dynasty, la saison 3 là, je suis mais tellement contente. Franchement, j'attendais ça depuis hyper longtemps, donc voilà, je suis repète. Et voilà, quand je suis déjà à la saison 2 de Dead to Me quand même. Saison 2, bref. Je l'ai bouffé en une journée. Vous avez pu voir aussi les séances de sport que je faisais du coup depuis la fin de mes deux programmes. Parce que vous me demandez souvent comment je continue à entretenir mes résultats et mes muscles. Donc voilà, au moins vous avez des petits exemples de vidéos. Et voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà quoi, une vie très passionnante. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo quand même. On se retrouve sur Instagram en attendant la vidéo de mercredi, je pense. Mercredi, je vais essayer de vous tourner et de vous poster une vidéo. Mais bon, je vous promets rien. Mais on se retrouve de toute façon sur Instagram en attendant cette vidéo. Je vous fais des gros bisous les gars. Profitez bien de votre dimanche.